Bonjour à tous, épisode numéro 18 je crois, j'espère que vous allez bien. Alors on mange un petit peu des baies qu'on a sur soi, voilà, et qu'est-ce que je viens de trouver comme arbre? Un pommier rose, arbre jeune, et j'ai bien envie de le casser pour récupérer sa graine. Parce que c'est le premier que je vois. Il me dit qu'un arbre fruitier, ça serait pas mal. Il est jeune, donc voilà, il va mettre du temps. Mais je pense que c'est bon. Du coup, je vais l'abattre. On verra ce qu'on récupère. Ben, on récupère du bois déjà. Mais est-ce qu'on récupère une pousse? J'ai récupéré... bouture de pommier rose. Ah. Et... du bois de chauffage. Donc c'est avec ça qu'on va faire la bouture. Ok, il va falloir qu'on s'y intéresse. Bon, en tout cas, le but c'était d'aller à mon ancienne demeure. Je me suis un peu perdu. Du coup, enfin je me suis un peu perdu. J'ai essayé de prendre un nouveau chemin. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de découvrir ce pommier rose. Donc on va par là, je pense que c'est bon, c'est la bonne direction, ouais. Si on trouve d'autres choses intéressantes, pourquoi pas. Lui moins déjà. On va essayer de l'éviter. Hein. Alors on va passer par là, on va essayer de courir. Il nous a pas vu, il nous a pas entendu. Il n'y a pas de vent, il ne devrait pas trop nous sentir. Voilà, parce que je pense que ça joue aussi. Alors, faut que j'aille de l'autre côté, hein. Plus sur la gauche là, mais. Oh, super, il y a des baies. Je commence à avoir faim. C'est les mêmes, c'est parfait. Ok, on laisse celle-ci sur place. On a récupéré quand même pas mal quand ça donnera. Je vais où moi? C'est par là qu'il faut que j'aille. Oh là là, je fais n'importe quoi. On est reparti dans un grand épisode. Je me perds pendant 2 heures. Voilà, à peu près. Ou pas. Regardez, encore des baies en tout cas. On va les prendre. C'est pas les mêmes, mais on les prend parce qu'on a toujours faim. Toujours, toujours. Je me suis bien galéré là, il va falloir que j'aille un petit peu plus par là. Bas. Ouais. Mais je vois pas de. C'est quoi ça? Oh, j'ai une grosse bête. On va pas l'énerver, vous l'avez vu là? Est-ce que là, vous la voyez bien, la bête? On va la laisser tranquille. Hein. On va y aller tout doucement. C'est pas faire trop de bruit. On s'échappe. Et on court! Et on court. Et il faut qu'on aille par là-bas. Voilà. Oh, il y a des trous encore. Ok. Essaye de contourner. Hein. Je vais y arriver. Hein. C'est par là-bas. Hein. Mais faudra que je retire après, une fois que j'aurai complètement enlevé la structure. Parce que je vais récupérer les pierres, je vais tout récupérer. Ok. On va passer au piège en même temps. Voilà, là, il y a des baies. On n'est pas loin, là. Pas loin de la maison, là. Elle est où? Pourquoi j'ai perdu sa trace? Je la vois plus dans le... Elle est là. Ouais. Hop. Donc, la maison. Quelque part... par là, et on doit avoir notre piège là. On va voir s'il y a une bête qui est tombée dedans. Bah oui, il y a toujours un lapin. Ça, c'est bien. Je vais le laisser dedans pour l'instant. Ok, on continue le transfert des marchandises. Alors, je vais prendre les moules. Il va me falloir le charbon aussi. Alors, et ce qui serait bien, c'est que je récupère un petit panier aussi. Ça serait pas mal. Alors on avait commencé à faire quoi là? Ça c'est plein, ça c'est pas plein. Donc là on a deux trucs là. On peut prendre le panier, c'est lequel celui-là? Je ferme, c'est pas celui-là. C'est celui du haut, d'accord. Donc celui du haut on va le casser. On va récupérer ce qu'il y a dedans. Ok, merci. Déjà c'est plutôt bien. Un petit panier, un petit peu de cuivre. Et là, on va prendre le charbon. On va prendre le charbon. Hop, on va le mettre là-dedans.
Le moule de marteau. Ouais. Ensuite, le creuset. S'il veut bien venir. Je sais pas ce que je casse là. Je sais pas s'il veut faire un truc ou pas. Et des fois, c'est compliqué de choper les machins. Je sais pas c'est pourquoi. Retirer, clic droit. Pourquoi je tape? Clic droit. Il me reste plus beaucoup de place déjà. Hein. Il me reste que deux emplacements. Mais on va manger un peu de baie. On va manger de la baie. Deux emplacements, mais si je mets la torche, ça fait un troisième. Voilà. Et du coup, on peut peut-être prendre les moules de pioche. Hop. De pelle. Et de hache. Déjà, ça, c'est les essentiels. Et on est pas mal. Et on repart. Et on aura les petits trucs là. Hop. Ferme la porte derrière. Et donc, nous, c'est par là-bas. On va commencer déjà à aller par ici. Tout droit, tout droit. Et puis, on essaye de retrouver la maison. Alors, on se dit à tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Alors, j'arrive à la maison et je vais, comme je vois qu'il y a des mouflons à côté, je vais faire un trou ici, assez grand, qui puisse y tomber. Et je mettrai des échelles, moi, pour remonter. On va faire un truc de 3, au moins de 3 sur 3 là. Voilà, on va faire ça. C'est peut-être un peu beaucoup, mais au moins, s'il tombe, on sera bien. Voilà, bon. Je vais poser déjà mes affaires avant que tu m'attaques. Hey, un arbre qui pousse! Incroyable! Du coup, on a notre. On verra pour la greffe. Je sais pas comment ça marche. On va ranger nos outils, nos bidules là, nos plaques. Pour l'instant, on va mettre ça au sol. Hein. On n'a pas trop le choix. Hein. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a une autre. Les moules. Ah, ça va être vite étroit. Hein. C'est pour ça que on va avoir besoin d'agrandir très 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 rapidement pour faire. Un atelier, un truc comme ça. Ok, de ce côté-là, on va mettre ça. Alors, on a le bois. Ici, on va mettre pour l'instant le cuivre avec son charbon. Et puis là, la bouture, je sais pas trop comment ça marche. Je vais mettre là pour l'instant. On verra après. C'est pas mal. On a des baies en surplus qu'on va mettre tout de suite dans le garde-manger. Comme ça, par exemple. 10, 12 jours, 6 jours. 6 jours. Il y en a qui sont plus périssables que d'autres, hein, quand même. Hein. Ok. Et puis là. On a les carottes qui sont à 79 jours, ça va. Et là, on a plein de bazar. Est-ce qu'on n'a pas d'autres bazar à mettre avec? Non. Je pense que je peux. Ça, c'est vraiment le truc à bazar. Je pense que je peux libérer, poser le lit. Voilà. Et on repart. Par contre, je ne me rappelle plus par où je suis venu. C'est un peu bête. Où est-ce que j'ai mis mon piège? C'était derrière, non? C'était par là. Avec un peu de chance, je vais faire un truc. Hein. Si eux ils se font pas choper, il y en a d'autres. Peut-être moi qui me fera choper d'ailleurs. Je les fais où? Voilà. Hop. Du coup, ça c'est plutôt bien. Du coup, voilà, il y en a déjà un qui s'est fait avoir. Voilà. Théoriquement, elle peut pas monter. Je vais l'agrandir. Voilà. Hop. 3, c'est peut-être beaucoup, 3. Il n'y a peut-être pas besoin d'autant. Mais faudrait que je le tue d'abord. Bon, je fais tout de 3 de profondeur. Comme ça, je suis sûr qu'ils vont pas s'échapper. Hein. Ça, il n'y a pas de doute.
Pourquoi je le touche? Parce que pourquoi que les autres ils soupçonnent que je suis en train de faire des trucs pas très catholiques. Voilà, voilà. Il y a une petite réserve comme ça. Voilà, comme ça. Et moi, je vais me mettre des petites échelles pour pouvoir remonter. Eux, ils devraient pas pouvoir. On va aller chercher les échelles tout de suite. Hop, alors. Les échelles, je les ai mises où? Quelque part par là. Voilà, 18, ça devrait être suffisant. Hop, c'est une fois qu'on aura tué la bête. Hop. Alors, c'est derrière. Je sais pas où c'est. Heureusement qu'ils sont là pour m'indiquer un peu, non? Le truc, ouais. Une fois que j'aurais pu poser ça. Ça, je peux aller dedans, théoriquement. Il ne devrait pas me faire trop de mal. Shift. Voilà, j'enlève la terre. Voilà. Comme ça, il peut y en avoir d'autres. Hop, qui peuvent tomber. Et je vais agrandir ça. Au fur et à mesure. Voilà. C'est assez profond. S'il y en a plusieurs qui vont tomber dedans, mais au moins on en a un bestio. Et donc on se rapproche de ça. Là on fait shift, théoriquement ça doit marcher. Faut juste être dessus, mais ça il arrive pas à... j'arrive pas à descendre le truc, regardez. Là, c'est bon. Bonjour. Il dérange pas, je récupère la terre. Bon, il a pas l'air d'être plus stressé que ça. C'est bien. Et on va faire, vu qu'on ne voit pas le truc, où c'est, je vais faire un petit... ah oui. Plutôt ici. On va se faire un petit angle comme ça. Tac. Voilà. Avec un peu de chance. On va faire un... voilà. On va se faire un petit peu de décor. Ça sert à rien. C'est juste pour espérer le voir un petit peu. C'est tout, j'ai tout mis. Non, il en reste là. Allez, hop, le suivant. Bingo! Pas beau ça? Voilà, avec un peu de chance, le troisième va aller dedans aussi. Voilà, et comme ça, il va peut-être vouloir aller voir ses potes. Et je vais me faire une petite réserve à nourriture, une petite réserve de chasse là-dedans. Bon, ça durera le temps que ça durera, mais au moins je pourrai faire quelque chose. Alors, est-ce que j'ai de la place pour ranger cette terre brûlée au vent des landes de pierre? Pardon. Hop, on va mettre ça là. Les échelles, on va le remettre avec le bois. Donc on remet ça ici plutôt. Et puis c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? Pas grand chose et c'est très bien. La rame, on n'en a pas besoin pour le moment. C'est parfait. Impeccable. Bon, et ben, je continue à faire du transfert. Et puis on se revoit un peu plus tard. Ah, ça, ça fait plaisir. Je viens de récupérer des graines d'oignon. Voilà, avec des oignons, des graines d'épeautre, du grain d'épeautre. Voilà, dans mon jardin, dans mon premier jardin. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis assez content. Et là, bientôt, on va avoir des pousses de riz. Voilà, il est à 8 sur 10. 8 sur 10, 9 sur 10. Dans 2 jours, ça va être bon. Alors, du coup, bah, je récupère ces graines-là. Ok. Là, il reste quoi? Là, ici, il ne reste plus rien. D'accord. Ici,
Je pense que 1, 2, 3, 4, on va récupérer ça. On aura le compte. Voilà, on peut pas faire mieux. Je vais regarder là-dedans. Ce que j'ai, je peux rien récupérer de là de plus. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça, c'est plutôt bien. Ici. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux récupérer que j'ai déjà ? Non. Pas là-dedans. Il y en a encore un à déménager, mais... on va s'en sortir, on va s'en sortir. Bah tiens. On va récupérer les... On va récupérer ça. Ça va déjà libérer un espace. Et je crois qu'on peut pas prendre plus. J'aurais peut-être mieux fait, plutôt... Hop, je vais reposer. Et ça, je vais prendre les moules, là. Le moule qui me reste. Tac. Voilà, là, on est full. L'arrosoir, je vais le laisser encore là. Ça sert à rien pour le moment. Je crois que c'est celui d'ici. Hein. Ouais. Là, les arbres, ils commencent à pousser, mais c'est long. Hein. Après, on va poser ça là. Voilà, c'est chouette. Donc, ici, on a dit qu'on n'avait plus de place. Les plumes me serviront. Mais plus tard, la houe, j'en ai une, mais ça en ferait deux. Je vais laisser... ouais, de toute façon, on va pas cultiver ici. Donc, je vais prendre la deuxième houe. Et là, je suis full. Allez, on rentre. On retourne. Alors, nord, par là. Donc, le chemin le plus simple, finalement, c'est celui que j'empruntais... J'emprunte un peu comme ça, ou je vais un peu au hasard au début là. Pas trop quand même, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, ça commence par ici. Donc là on n'est pas trop mal, on va avoir notre montagne qu'on aime bien. Voilà, on va passer de ce côté là. Attention au trou toujours. Hop là! Voilà, voilà, on va passer à côté d'elle. Un bon repère, ça. On va à peu près tout droit. Pour arriver du côté de la mer, là. On va contourner ce petit truc. Petit bassin. C'était peut-être pas le bon côté pour contourner, mais c'est pas grave, on l'a contourné quand même. Ça va toujours plus vite que... Voilà, c'était ce côté-là qu'il fallait que j'aille. Là, on a notre ado, on a donc retrouvé le chemin. Et c'est plus par là qu'il faut aller. Je n'ai plus de place. C'est quoi? C'est... Moi, j'ai de la canneberge et ça, c'est de la canneberge. On va manger ce qu'on a déjà. Je pense qu'on en a besoin. Voilà. On mange un peu. On a très faim. Encore de la canneberge, on prend. S'il veut pas. Ah, il veut pas parce que c'est pas les mêmes la même durée de vie. Voilà. Peut-être que les autres on les a pas prises du coup. Bon, c'est pas grave, on avance. On avance par ici. Ça me semble pas mal. Voilà. Vers ce petit tas de fleurs là, qui est assez visible sur la carte. Ça c'est un bon repère pour moi. Après, j'ai la petite étoile jaune là, pour la maison. Mais quand même, ça aide bien. Voilà. Là, faites attention à ces galeries. À mon avis, il va y avoir des bestioles là-dedans. Oh, regardez. Un ours. Un ours qui vient vers la maison. Il faudrait bien qu'il tombe dans mon piège, lui. Sinon, il va me faire mal. Hein. Ah, c'est bien dans le piège là, qui tombe dedans. Avec le bestiaire qu'il y a déjà. Ah, il se repose. On va peut-être les bouffer. Hein. Voilà. Donc, il y a de l'orage encore une fois. J'espère que ça va finir par pousser. Hop, on se remet à l'abri. On va dans le cellier. On va y mettre des choses. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le cellier ?
Des oignons. Ouais. On va pouvoir faire des choses avec des oignons, des trucs comme ça. Des grains d'épeautre. Les grains, ils doivent être ici. Épeautre, ça doit être ça. Non. Ça. C'est quoi ça? Seigle, épeautre. Périssable, 4 ans, 4 ans et demi. Pourquoi tu veux pas les mettre ensemble? Bah si, tu vois, quand tu veux. Donc on a des graines qu'on va pouvoir faire pousser. On a récupéré un petit panier. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Il y a un peu de cuir. Ok, on va mettre le cuir là. C'est déjà pas mal. Les os. On doit en avoir ailleurs des os. Je reprends. Je sors de là-dedans. On arrive là. Alors. Hop. On ouvre tous les paniers. Comme je les ai bien réajustés, réalignés comme il faut. Voilà. On avait un os. On va le mettre avec l'autre. 64, c'est bien. Hein. Est-ce qu'on a d'autres graines? Non, pour l'instant. On va les mettre là. Et on a un autre panier en roseau qu'on va poser au-dessus là, je pense, ou ailleurs. On va le poser ailleurs. Pourquoi j'ai encore des navets sur moi? Je voulais les mettre dans le... Voilà. J'ai oublié de ranger les navets. Ceux-là, ils ont 100 jours, 85 jours. Si on les met ensemble, ça fait 91, c'est très bien. Ok. Donc les navets, c'est bon. On ressort. Donc, on va mettre les autres paniers ici. Voilà, pour avoir. Voilà, pour pas être encombré de trop. Et puis, bah, on repart. Il va falloir que je ramène du bois. Ce que je vais regarder tout de suite, c'est comment on fait des barrières. Ou barricade. Alors barricade, c'est comment? C'est quoi? Artisanat en... Ok, pas ça. Barricade obtenue en cassant. Non, pas barricade. Barrière. Muret. Comment on peut appeler ça? Muret. Muret en pierre sèche de chaille. Muret. Il n'y a que ça en muret? C'est quoi ça? Roche de chaille. Bon, on peut faire avec d'autres choses, je suppose. Roche de chaille, si j'en prends 6. Je vais penser où tailler. Ah, et si on fait avec... Avec la... le schiste, là. Ah, alors. Il vaut mieux viser au milieu. Comme ça, on ouvre tout. J'en ai 7. Cette schiste là, est-ce que ça me ferait une barrière? Est-ce que si je fais ça, je fais des barrières avec ça? Mais oui, clôture en pierre sèche de schiste. Mais bien sûr, monseigneur, ça en fait qu'une. Cependant, eh ben on va la faire. Cependant, la pierre de schiste, on peut en retrouver. Hop. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble, cette petite... Parce que du coup, on va se faire un petit jardin sécurisé. Oh là là, faut que je mine là, ici. Regardez. C'est quoi, ça? C'est de la pierre de schiste. Bon, bah maintenant, on sait qu'on va en ramasser plein, hein. Allez, c'est parti. Hop, hop. On va se faire du muret, hein. Voilà. On pourrait le faire avec un autre matériau, mais ici, c'est le schiste qui est en abondance, donc autant prendre, hein. Regardez-moi ça, il y en a partout. Bon, il n'y en a pas énormément, hein. À chaque fois, c'est 1. Mais du coup, alors on est à 10. On va mettre ça ici. Ben on va en récupérer plein. Puis on va s'en faire un. On va se faire des murets. Bon. Il y a un petit lapin là. Un petit truc. Avec un peu de chance, je peux peut-être l'avoir comme ça. Est-ce que si je l'attaque avec ça? Ah oui. Voilà, merci monsieur lapin. Couteau? Couteau. On va enlever ça. Bon, bah, c'est plutôt bien, moi je dis. Voilà, on va avoir un petit peu de viande. On va pouvoir se faire un petit ragoût, je pense, avec ça.
Tac. Hop. Voilà. Merci. Eh bah écoutez, je continue à récupérer des petits cailloux là. Je vais mettre la viande tout de suite en sécurité. Voilà. Comme ça. La viande. J'en ai pas beaucoup. Je vais mettre tout ce qui est vraiment périssable ici. Et je crois que là, c'est là que j'ai mis le cuir. Hein. Ah, puis j'ai encore mon moule de Falx. Mes graines que je vais mettre là. J'ai 3 graines de navet. Ok, où sont les autres? Je ne sais pas, j'ai dû les ranger ailleurs. D'accord, j'ai oublié déjà. Voilà, je m'embête pas. Oui, effectivement, les graines. On va les mettre ensemble pour l'instant. Hein. Voilà, on a tout ça à replanter. Ok, bon, bah je récupère des petits cailloux, je me fais des petits trucs, et puis après, j'essaye de récupérer un petit peu les choses qui me manquent. Voilà, et on se retrouve un petit peu plus tard. Ah, rien de tel qu'un petit feu avec dedans de la viande. Alors je sais pas si ça va donner une recette, quelque chose, mais ça a l'air de cramer, donc ça doit être bon. Donc j'ai mis 2 morceaux de viande. 6 navets, 6 oignons, on aurait pu mettre autre chose, ouais, j'ai, voilà, et déjà bah, ça va cuire, alors apparemment ça va nous faire un petit ragoût, et ça c'est plutôt sympathique, non ça c'est la sortie, donc c'est par là, et le reste on va le ranger, voilà, on va ranger des oignons, voilà, il faut que je remette aussi ma torche à... dans le feu là, après. Après que la gamelle soit prête. J'espère que j'ai mes petits plats là pour ça. Je sais même pas. Ils sont où mes petits récipients là, pour faire de la mangeaille. Bon, de toute façon j'ai besoin de manger donc je vais en prendre une partie je pense. Ça chauffe pas, regardez, il manque un truc. Ça chauffe mais ça va pas être la recette. Alors on va faire autrement, on va tout enlever déjà. Ah là ça... Et si je remets la viande, il arrête. Donc la viande c'est pas bon, il veut pas. Une viande? Il veut pas mettre la viande avec? Alors attends. Attends parce que là tu m'embêtes machin. Si je fais ça... Je fais H là. Alors, après cuisson, ok, où sont où les recettes? Recettes. Alors, technique de fabrication. Viande de gibier, guide. Je ne trouve pas ce que je veux. Recette. Ragoût. Alors, non. Pourtant, c'est un ragoût. Si on met que des légumes, il arrive quand même à faire quelque chose. Mais j'aurais cru qu'avec un peu de viande, si je mets ça, que je mets... Ils sont où tous mes légumes? Ah bah attends, j'en ai que 6. Il n'a pas voulu m'en mettre plus. Et bah oui, là, il n'y a plus de feu. Donc je vais remettre le feu, hein, bien sûr. Mais là, vous voyez, ça blout-bloute pas. Ça blout-bloute pas. Si je fais comme ça, il ne veut pas non plus. Si je mets qu'une viande, il veut pas. Il veut combien de morceaux de viande? Par contre, si je fais ça, il veut bien. Bon, bah, vu que ça bleu-bleute, bah, on va faire ça. Hein. Et puis la viande, on va la faire cuire plus tard. Vu qu'il est rebelle. Bon, les recettes, hein, on sait pas trop. Donc combien on ferait pendant 1,4 jours? 5 jours, c'est mieux. Bah, on fera cuire comme ça, et puis c'est tout. Je sais pas ce qu'ils veulent comme viande. Et ça va me faire un petit peu de... Un petit peu de quoi manger. Où est-ce que j'ai mis mes... Mais comment ça s'appelle? Mes petits plats. Ah oui, mais ils sont pas faits, mes pots. Faut que je les mette... Aïe. Ah oui, je vais pas avoir de pot, là, pour prendre ma nourriture. C'est un peu ballot, non? C'est un peu ballot. Du coup il va falloir aussi que je refasse du charbon de bois, tout ça, j'ai pas ce qu'il faut.
C'est la misère. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Du charbon de bois, j'ai que ça. Il me faut quoi? Non, il me faut un trou. Il me faut un trou. Il me faut. Attendez. Hop, je sais ce qu'il me faut. Yeah, ça revient. Mon serveur fonctionne. Attention. Si je veux faire cuire les poteries. Déjà, ça, on va le ranger. Ici. Ah, c'est full. Bon, il n'y a plus de place. Je vais remettre mes murets. J'en ai fait 7 avec 40 pierres. Je vais reposer ce que je peux reposer. Voilà. Si tu veux. Merci. Dans le bloc. Ah, un bol, j'en ai un. Bon, j'ai 8 bols. J'ai 16 bols. Il va me falloir ça. Des bâtons. Et puis du bois de chauffage. Je vais me faire des petits trous de cuisson. Parce que ça manque un peu. Et on va reprendre du bois de chauffage. Mais quelle heure il est? Il est 23h. On va d'abord se coucher. On va prendre un peu de bois. Voilà, ok. On en a. Ici, ça donne quoi? C'est cuit. Voilà, périssable. 6 portions de navets oignons en ragoût. 6 portions, c'est pas mal, hein? Donc, on va les mettre au frais. On va dormir. Hop. Il faudrait manger un peu. Donc, je vais manger des baies. Lesquelles sont les plus périmées? Celle-ci. La viande crue, je vais mettre à cuire peut-être. Et puis comme ça. Ici, on va mettre la viande. Tac. On va manger un peu. Si on veut faire passer la nuit, il faut qu'on ait un minimum mangé, sinon ça va être compliqué. On va manger un petit peu de baies. Tac. Voilà. Hop. Et puis on va faire un petit peu de poterie. Voilà. Allez, petit dodo. Et poterie. Voilà, on se réveille tranquillement. La viande, au moins une de cuite, c'est parfait, on va pouvoir la manger. Et l'autre, on va la remettre au stock. Donc. Voilà, ça déjà, ça fait du bien. On récupère la dernière. Hop, on la met au stock. Qui est là. Voilà. Hop, on met ça là. On récupère ça parce qu'on en aura peut-être besoin. 4 jours, on a dit. 11 jours. 5 jours. Bah, on va prendre ça, hein. Et on va prendre ensuite 10 jours. 4 jours. Et toi? 17 jours, ça va. 17. 11. Alors, on met dans l'ordre. Ok. Bon, on a de quoi manger. On va se faire des trous. J'espère que Nounours est parti. Ouais, il est là-bas, il est en train de suivre. Oh, une bestiole, là. Vous avez vu? Plein de bouquetins, là. Alors, ça, c'est pas mal parce qu'on va voir dans notre. Un autre piège qui est là, on en a quelques-uns déjà, c'est bien. Je vais voir s'il y en a d'autres qui sont tombés. Au moins, on a 3 bêtes. Voilà. Ensuite, on va se faire un. On a de la place hein, maintenant. Hein. Donc, on va se faire un petit truc. On va creuser là. On va se faire des. De quoi. Récupérer les. Les. Non, ah, il veut pas que je les récupère si je les tape pas. Bon, avec la pelle, c'est pas l'idéal. J'ai peut-être fait un peu grand. Ok, elle est où ma terre? Puis en plus, ici, c'est de la terre quand même bien, moyennement fertile, donc c'est pas. Voilà, on va se faire quelques petits emplacements comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. Et puis, on va se faire dedans. Nos moules, on va les protéger. On va les protéger avec quoi comme terre? Ça, je vais la garder quand même. J'ai de la terre qui est moins bonne, je pense quand même. Tac.
Comme je sais pas dans quel coffre c'est, je les ouvre tous. Ok, là j'en ai 5 qui vont avec ça, ça fait 14. Voilà, on en a pas mal. Voilà, c'est celle-ci, là, moyennement fertile. On pourrait faire même un truc en pierre, mais pour l'instant on va faire très très rudimentaire. Je l'ai mis où le trou? Ça c'est pareil. Moi je commence à faire un trou, mais voilà, si c'est là. Voilà, on va faire un truc comme ça pour la flotte. Voilà. Comme on avait fait là-bas, mais on le fait un petit peu plus grand du coup. Alors, on a nos... Non, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Bien sûr. Mes bols en terre cuite, non cuite. C'est où? C'est là? Non. Alors, ici. Toujours pas. J'y arrivais, hein. Quand j'ai fait une colonne. Voilà, ils sont ici. Du coup, on va mettre momentanément ça là. On va prendre nos deux fois 8 bols. Ça nous donnera de la nourriture. Ça sera plus pratique. On va les mettre à cuire dans notre petit four artisanal là. Alors, est-ce que je peux en mettre 4. Comme ça, on aura de quoi se faire des bougeoirs. Pourquoi il veut pas là? Parce que j'en ai plus dans les mains, ouais, tout simplement. Ça nous permettra de faire les petits bougeoirs, hein, les petites choses pour éclairer. Et puis en même temps, de quoi manger, des gamelles. Voilà. Alors ensuite, il veut que l'on mette de la paille. Oh. Ensuite, des bâtons. Pas des rames, hein, des bâtons, on est d'accord. Bâtons. Voilà. Et après, le feu. Donc là, on se dit, ce qui serait pas mal, c'est quand même de rallumer la torche qu'on n'a pas rallumée. On va au feu. Est-ce qu'il reste du feu? Il en reste un peu, ça tombe bien. Qu'on rallume au moins la torche. C'est plus pratique que l'allume-feu, surtout que l'allume-feu il commence à s'user. Voilà, ça c'est bien. On reprend les 7 bûches qu'on va reposer avec les autres, si j'y arrive. Pof. Alors. Voilà, ça c'est fait. Et on va pouvoir allumer le feu. Voilà, ici. Là, il y a de la place au moins, je peux me balader, vous voyez. Il manque pas un truc là. Ah, il manque le charbon, le bois de chauffage. J'ai oublié de mettre le bois de chauffage. Oh. J'en aurais peut-être pas assez. Peut-être juste. Hein. Ouais, eh ben si. Et là maintenant on peut allumer. Voilà, comme ça on aura 16 poteries, 16 petits pots. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà, en plus, le beau temps est revenu, donc c'est magnifique. Voilà, ah, on commence à prendre possession des lieux, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Alors, ce que je vais faire là, pour ces plantations, voilà, on voit qu'il y a des bestioles qui viennent. Hein. Donc, il va falloir remédier au problème. Alors on va faire un enclos. Pour l'instant on n'a pas suffisamment, donc je vais faire peut-être le jardin. Je vais le faire là, j'ai commencé là, donc je vais continuer là. Je vais agrandir la place déjà. Je vais prendre la flotte, je vais arroser pour être sûr, hein, que personne ne manque d'eau. Voilà. Et donc là, ça va être le jardin. Donc, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais mettre un peu au même niveau. Comme ça. Voilà, même un peu plus loin. Non. Comme ça, c'est bon.
pour le moment, ça va être ça. Je vais peut-être élargir ici. C'est là, on arrive avec l'escalier. Ok, comme ça, l'escalier, on va le laisser pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est je vais monter la terre, là. J'en ai un peu. En attendant, je vais mettre deux de haut. Voilà, pour pas que les bestioles, elles viennent dedans. Et je vais mettre une porte. Pour pas qu'elles viennent dedans. Voilà, ça avec de la terre. En attendant, hein. Ah bah, si je vise n'importe où aussi. Et puis on agrandira au fur et à mesure. Et on l'agrandira vers l'arrière. Mais pour le moment, on va faire ça. On a les petites portes en bois. Donc on va pouvoir... qu'on va pouvoir utiliser. Alors, il manque de la terre. Alors, c'était où? C'est la colonne de droite. Non. Hop. Voilà, ici. Ah, bah, j'en ai pas tant que ça. Bon, bah, je vais prendre ça, alors. Je pensais que j'en avais d'autres, de la terre non fertile. Mais bon, si c'est de la fertile, c'est pas grave. Pour le moment, c'est juste un enclos provisoire, tant qu'on n'a pas les blocs. Hop. Voilà. Et puis, on se fait une petite porte. Voilà, ça, on va le dégager. J'ai mis où la pioche? L'escalier, il va me gêner plus qu'autre chose ici maintenant. Et comme je veux pas que les bestioles viennent. Donc, voilà. On va mettre ça à cette hauteur-là ici. Ça, je veux bien. Ça, on va monter le truc sur 3 de haut. Ça fait au moins 2 de haut, comme ça, je pense que là, elles peuvent pas monter. Voilà. Allez, hop, soyons fous. On va grimper à ce niveau-là, le jardin. Voilà. Après, il faut savoir viser. Ça, c'est plus difficile. Mais je pense que là, deux de haut, en principe, il ne devrait pas... Il ne devrait pas pouvoir monter, mais... C'est jamais. On va faire ça. Ça sera... Ah bah j'en ai plus. Eh ben... Ah oui, ça consomme quand même. C'était où? Vous vous rappelez, vous? Ouais, c'était là. Donc là, on voit qu'il n'y a que un de haut, donc on met au moins deux. Parce que là, théoriquement, on ne peut pas grimper, même moi. Donc on va faire comme ça. Voilà, après ça redescend. C'est juste histoire de sécuriser un peu le truc. Voilà. Tac. Et là, on va quand même le couvrir. Ici, pour mettre une porte. Pour pas que les bestioles rentrent. Voilà. Hop, hop. Ici, on a bien deux de haut. Est-ce que c'était utile d'aller jusque là? Je suis pas sûr. Je vais enlever les quelques blocs que j'ai mis là. Voilà. Voilà, très bien. Ouais, là, franchement. Ok, on va rentrer à l'intérieur. Tac, on va avoir un petit jardin qui va être un peu fermé. Mais je pense que c'est pas plus mal. Voilà, comme ça, au moins, on va pouvoir cultiver correctement les choses. Sans être embêté par les bébêtes. Est-ce que j'ai une planche? Non. Une planche, une porte. Ben on va en chercher une. Il y a des vieilles portes qu'on avait fait au tout début. Je pense qu'elle pourrait être très utile pour ça. Là, il n'y a toujours rien. Hein, ça sert à rien. Bon. Ici. Eh ben, on est parfaitement dans le truc des portes. Hop, ça. Ici. Porte. On va en mettre une. Hein, ça suffit. Voilà. On a nos petites graines qu'on va pouvoir prendre. Non, parce qu'on est chargé. Toc, 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 ok. Alors. On va mettre... Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait un trou, là.
J'ai pas fait exprès, je voulais pas me suivre. Du coup, si tu pouvais me redonner ça, je pensais que j'avais rangé le reste, hein, mais bon. Donc ça, on pose. Ensuite, on prend notre porte. Tac. Voilà. Donc là, on est bien. On va pouvoir faire nos petites cultures voilà, intérieures et avoir nos semences qui poussent. Voilà, ça, c'est bien. D'ailleurs, en parlant de semences, il faut que j'aille les chercher. Je vais ranger les trucs qui ne me sont plus utiles. Alors, j'ouvre tout. Hop, 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 hop. Et mon inventaire. Je recale ça, c'est possible ou pas? Pavé de schiste. Bah oui, ça c'est possible. Pierre de schiste, c'est possible. Bol, on n'en a qu'un. On va le laisser là pour l'instant. Et l'arrosoir, on le garde sur soi. La terre, on la range. Ça, le marteau, faut que je le mette sur un petit truc là. Marteau. Voilà, bol, marteau. Ouais, je garde des choses sur moi qui servent à rien. Ça, faut manger parce que, à mon avis, un jour, 22 heures, 3 jours. Tac, ça, on va manger. La suivante. Hop, déjà un petit mangeage. Ok. Limite, celle-là, je vais laisser de côté. Et je vais prendre donc mes graines. Épeautres. Navets. Et oignons. Voilà. On prend notre petite houe en plus. L'arrosage, ça sera prêt. Donc, on va le laisser. Bon, je peux enlever la pelle d'ailleurs. Petite houe, voilà, très bien. Elle est où la houe? Elle est là. Ok. Allons préparer le jardin pour mettre ses graines. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Carotte, épeautre. J'en ai encore de l'épeautre. Hein. Voilà, j'en ai une. Donc très bien. Hop, épeautre, pof. Alors j'ai un petit peu séparé les trucs. Voilà, ça c'est la carotte, du lin et du seigle. Et il nous reste 3 de navets. Donc navets, carottes, c'est bien. On va les mettre ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai déplacé comme ça, mais je l'ai fait. Ouais, pour l'instant, on va mettre les navets là. Voilà. Tac, tac, tac. Navet, carotte et oignon. Bah, les oignons, on va les mettre par là. Hein. Hop. Voilà. Oignon. Tac, tac. Parfait. On prend notre petit arrosoir. On arrose tout ce beau monde. Voilà, tout ça, c'est bon. C'est bon. Hop, tout est à 100%, donc on va pas chercher plus loin. Donc voilà, et lui, on va le laisser là, s'il veut bien. Voilà. Et moi, je dis, au moins, on sera un peu plus sécurisé. Maintenant, eh ben, je pense qu'on va pouvoir aller chercher le reste. Mais ce sera, je crois, pour un autre épisode. Voilà. J'ai regardé un petit peu, tout ça, ça cuit. Ça cuit, ça c'est parfait. Il faudra qu'on fasse du charbon de bois, mais comme vous voyez, les arbres ici, ils sont un peu chers. Ici, toujours que 3 bêtes. En plus, elles sont contentes. Hein. Elles ne disent rien. J'espère qu'elles ne sont pas mortes, surtout. J'espère qu'elles ne sont pas mortes. Si elle ne bouge plus. Bon, ben on verra ça dans le prochain épisode. Et puis, c'est tout. Allez, bye bye. Hasta luego.